Alors, on nous dit que ce petit carré est un carré unité. Ensuite, on nous donne cette figure, ce quadrillage, donc un quadrillage formé de, de petits carrés unités. Et on nous donne dans ce quadrillage un rectangle qui est en rose ici et qu'on a appelé rectangle A. Et ce qu'on nous demande, c'est quel est l'aire du rectangle A Quel est l'aire du rectangle A Alors, l'aire du rectangle, c'est en fait l'espace qu'il couvre, l'espace couvert. Donc on va essayer de mesurer l'espace couvert par ce rectangle A en termes de ces carrés unités. En fait, ça veut dire qu'on va essayer de compter combien de petits carreaux euh, sont recouverts par ce rectangle. Donc pour ça, on pourrait très bien le faire en essayant de reconstituer les carreaux. Là, on ne les voit pas, mais on pourrait les reconstituer. On pourrait faire comme ça. Ensuite, comme ça. Et puis, faire les, les colonnes maintenant. Comme ça. Comme ça et comme ça. Voilà, là j'ai reconstitué le rectangle et je pourrais très bien compter combien j'ai de petits carrés en tout dans le rectangle rose. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc l'air du rectangle, l'air, eh c'est 12 carrés unités. 12 carrés unités. Mon rectangle A couvre exactement 12 petits carreaux unités, donc son R c'est 12 carrés unités. Voilà, donc ça c'est une manière de faire. Simplement, ce n'est pas toujours très pratique d'aller reconstituer tous les petits carrés qui sont recouverts par ce rectangle. Donc on va essayer de faire autrement. Alors je vais enlever tout ça. On va essayer de faire d'une manière un petit peu plus mathématique, disons. En fait, ce que je peux faire, c'est me concentrer déjà sur cette. Cette longueur qui est là, la longueur de mon rectangle. Et je peux voir que cette longueur là, elle s'étend sur un petit carreau, deux petits carreaux, trois petits carreaux, quatre petits carreaux. Donc en fait là, je vais avoir déjà ce qui est sûr, c'est que je vais avoir une ligne qui est constituée de quatre petits carreaux. Je vais déjà avoir ces quatre petits carreaux. Ça c'est parce que ma longueur, elle recouvre quatre carreaux. Ensuite, je peux me demander combien de lignes de quatre carreaux je vais pouvoir faire. Et pour ça, je peux regarder cette cette dimension-là, la largeur de mon rectangle, je vois qu'il y a un carreau, deux carreaux, trois carreaux. Donc ma largeur, elle va s'étendre sur trois carreaux, ce qui veut dire qu'en fait, je vais avoir trois lignes de quatre carreaux. Là, j'ai une première ligne de quatre carreaux, une deuxième, et puis une troisième ici. Voilà. Et là, je retrouve bien mes douze carreaux. Et en fait, c'est douze carreaux parce que c'est quatre lignes de trois, c'est-à-dire quatre fois trois. Voilà. Alors en fait là ce que j'ai fait c'est multiplier la longueur par la largeur et je trouve exactement la même aire que tout à l'heure c'est-à-dire 12 carrés unités. 12 carrés unités. Voilà, alors ça c'est une manière de faire, mais j'aurais pu aussi commencer déjà par regarder les colonnes. Alors je peux le faire, je vais enlever ça. Et si je regarde d'abord cette dimension là, donc la largeur de mon rectangle, je compte 1, 2, 3 carreaux, donc j'ai ces trois carreaux là ce qui veut dire que là j'ai déjà au moins une colonne de 3 carreaux, un carreau, deux carreaux, trois carreaux. Alors maintenant si je veux savoir combien j'ai de colonnes, eh bien je vais regarder maintenant la longueur de mon rectangle et cette longueur là je vois qu'elle est sur 1 2 3 quatre carreaux, 4 carreaux. Donc finalement je vais avoir 4 colonnes identiques à celle-ci donc 4 colonnes de 3 carreaux. Donc ça c'est une première colonne, une deuxième ici et une troisième ici. Et finalement, là aussi, je retrouve l'air de mon rectangle, c'est 3 fois 4 carreaux. Et 3 fois 4, ça fait 12, donc je retrouve encore une fois mes 12 carrés unités.